Voici ce qui fait l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 4 mars. Le Maroc, parmi les 10 premiers pays qui ont réussi le défi de la vaccination contre la Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé a félicité hier sur son compte Twitter le Royaume pour la réussite de la campagne nationale de vaccination lancée le 28 janvier dernier par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Cette opération a pour objectif d'immuniser 80% de la population pour réduire et éliminer les cas de contamination et de décès dus à l'épidémie et contenir la propagation du virus. Jusqu'à présent, plus de 3 700 000 personnes ont reçu la première dose du vaccin et 360 000 ont reçu la deuxième. Le taux de contamination a baissé pour la 14e semaine consécutive. 594 nouveaux cas ont été enregistrés hier. Malheureusement, 8 décès sont à déplorer. Le port du masque et le respect des gestes barrières sont les meilleurs moyens de protection. Et l'Espagne a franchi hier le cap des 70 000 morts après avoir connu le mois le plus meurtrier depuis la première vague. Le ministère espagnol de la Santé a précisé que le mois de février qui a enregistré 10 528 morts a été le pire mois depuis le pic d'avril dernier. Mais les indicateurs indiquent une amélioration de la situation sanitaire avec un taux d'incidence de 159 nouveaux cas pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours contre 900 fin janvier. Ainsi qu'une baisse remarquable du nombre de cas et de morts dans les maisons de retraite qui ont payé un lourd tribut. Cette baisse drastique coïncide avec le début de l'administration, mi-janvier, des secondes doses de vaccins dans les maisons de retraite, premières bénéficiaires des injections. Et aux États-Unis, le président américain Joe Biden a fustigé les gouverneurs du Texas et du Mississippi pour leur décision de lever les restrictions liées à la pandémie de coronavirus. Il a martelé que les gens doivent continuer à porter des masques, à se laver les mains et maintenir la distanciation sociale au moins jusqu'à l'été prochain, lorsque tout le monde pourra être vacciné dans le pays. Rappelons que mardi dernier, le gouverneur du Texas a cité la campagne de vaccination en cours comme une raison pour lever les restrictions. Retour au Maroc où le quotient électoral calculé sur les inscrits aux listes électorales et la suppression du seuil électoral ont été adoptés hier par la commission de l'intérieur. Le premier amendement remplacera le régime actuel basé sur les voix valides. La deuxième disposition tend pour sa part à supprimer le seuil électoral jusqu'aujourd'hui fixé à 3% pour les élections législatives. Ces propositions d'amendement recueillies les votes favorables de l'ensemble des membres à 29 votes pour 12 votes contre hormis ceux du PJD. Et place au sport à présent, le Raja de Casablanca s'est qualifié hier pour les quarts de finale de la Coupe du Trône de football en s'imposant par 2-0 sur sa pelouse face à l'Ittihad de Sidi Kassem. Les Verts ont ouvert le score dès la première période par Ben Malongo sur un penalty, tandis que son coéquipier Mahmoud Ben Halib a creusé l'écart après avoir été bien servi par Zakaria Labti. Et plus tôt dans la journée, le Hassania d'Agadir a décroché son billet pour les quarts en évinçant le Kawkab de Marrakech. Il est 7h34, les couleurs du ciel.